Cette vidéo est sponsorisée par G2A, utilise le lien en description pour acheter tes jeux et équipements moins chers et tu soutiendras comme ça la chaîne. Donc on va se faire un tirage massif avec tous mes personnages à la pourvoyeuse en fait. Donc on va se faire au moins une vingtaine, 20, 25 armes à la pourvoyeuse. Premier tirage, souvent, je dis que souvent c'est le meilleur mais c'est souvent de la merde. Donc on va pas tarder, on va y aller directement, c'est parti. C'est de la merde, comme c'était prévu. Donc, laser, pistolet, euh, track, 33% de chance SVAV, poids réduit, c'est de la daube. Voilà, c'est de la daube, ça c'est fait. On a notre première daube de la soirée. Maintenant, il nous faut notre premier gros machin de la soirée. Donc, arme à distance légendaire, on y va. La deuxième, souvent, est meilleure que la première. On espère. Qu'est-ce que vous en dites est-ce qu'on va faire un sondage à chaque arme <laughs> Ce serait vraiment abusé. On va faire ça tout de suite. On va se faire les premiers assez rapidement. C'est de la... Oh J'ai cru que ça pouvait être bien. J'ai cru que ça pouvait être bien. Pistolet 10 mm, nocturne, c'est de la merde. Soyons d'accord. Mais euh, vitesse de rechargement accrue, c'est toujours le bienvenu. Non, no, Dégâts non, nocturne, des 3, le 10 mm... C'est de la daube. Enfin, non, mais nocturne pour n'importe quoi, c'est de la merde, franchement. Oui, pour n'importe quoi, c'est de la merde. Mais je sais qu'il y en a certains, ils s'emmerdent à faire des decks nocturnes. Hmm. Bon, au pire des cas, mais je bon, vais le garder pour, bon, la va ouais, non, pour la mitraille. Ouais, non, c'est pour la mitraille, cette merde-là. Cette arme ici, elle va être incroyable. Vous ne le pensez pas Non. Et moi, ouais, moi non plus. <laughs> moi non plus, je pense que ce sera de la merde. <laughs> mais, je pense que celle-ci ici. Ça sent bon, je sais pas pourquoi. C'est parti, apparemment ce sera de la merde. Mais moi j'annonce que ça va être un truc cool. Oh Ça a failli. On a une mitrailleuse légère explos, mais anti-humain quoi. Ah si, c'est pour PvP ça. C'est pour le PvP avec une résistance aux dégâts de 250 en rechargeant. Donc là, on a une pure arme PvP. Mais qui joue vraiment PvP 3 étoiles, let's go. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? On a un fusil harpon. Non, mais c'est mort là en fait. C'est mort. Attention, le... fusil harpon quoi? Cadence de tir accru et dégâts sur les robots, agilité plus 1, oh, c'est de la merde. Okay, à part là, le cadence de, de tir accru, c'est de la merde. Quand tu lootes un fusil harpon, ça sent pas bon. J'annonce un ah bon pas bon pas bon pas bon oh mec annoncez attendez annoncez un truc dans le chat et Jack et Flynox aussi annoncez une arme une arme avec un truc principal pour voir alors ouais franchement si jamais tu tombes alors si jamais tu tombes sur une laser Gatling à comment appelle ça à ultracite ouais avec dessus un effet sur les ghouls ouais je faire un don de Putain, du coup, laser gatling d'ultra anti-ghoul. Avec un effet de ghoul, ouais. Anti-ghoul, ok. Flynox, toi, tu dis quoi Je mange. Non, non. Ok, je mange, ce sera le surnom de l'arme. <laughs> bon, on a des propositions. C'est parti. Oh, Arme à distance légendaire, 3 étoiles. Bim. Alors, ça, ça va être quoi Criolator quadruple, dégâts aux membres. Euh, je bouffe. Criolator quadruple, dégâts aux membres avec vitesse de déplacement. Augmenté au visant. Mais Criolator quadruple, c'est recherché. Star, oui euh, C'est recherché. C'est une valeur d'investissement. <laughs> Criolator quadruple, dégâts aux membres. On va tout de suite voir. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Personne non, avait non, annoncé ça, ouais. le Criolator parce que je l'ai complètement oublié moi cette arme en vrai. Et Merci cadavre, Jack. Tu... Non, 25 au Criolator, quadruple et euh... Attends, bah je vais aller faire le calcul. 50% de dégâts aux membres augmente la vitesse de déplacement en visant. Ouais, Ouais, c'est un peu la merde. Mmh, franchement, pas ah. tant que ça. Non, pas tant que ça, franchement. On a quand même du, du dégâts aux membres et du quadruple. Et avec l'augmentation de la vitesse de déplacement en visant, on est sur une valeur... Donc le quadruple, il est très recherché pour cette arme, ça c'est une chose. Le dégât aux membres et la vitesse, pas spécialement. Encore une fois, c'est pas un truc qui a une grosse demande, tu m'étonnes. Mais je pense que dans. Ça peut trouver acheteur, ça peut trouver acheteur. Moi j'annonce une calibre 50. <laughs> moi j'annonce que des calibres 50. J'en ai rien à foutre. C'est parti. Merde. Moi voilà. Attends, moi j'annonce un pistolet rouillé là, le pistolet de fortune. Pistolet de fortune, ouais. Et toi Flane, t'annonces quoi Je mange. Une toquée, tu manges. C'est parti. Fusil de combat nocturne, cadence de tir à jauge de coup critique en modeste va vers remplis rempli 15% plus vite. C'est de la merde. Même si le cadence de tir est intéressant, la principale est trop nulle. C'est du nocturne. Donc ça, ça dégage en mitraille. Personne n'avait annoncé le fusil de combat. <laughs> On oublie tout le temps une arme en fait et c'est celle-là chaque fois. Mec, c'est une laser Gatling anti <laughs> C'est ce que t'avais dit. Bah allez maintenant tu fais ton dos de 50 balles hein. C'est ce que t'avais dit mec Laser Gatling À Ultra Oh putain oh mec t'aurais juste dit Laser Gatling anti-goule bon, bah, C'était bon, ça bah, Tu fais euh. un don de 25 euros alors Mec c'était ça Et elle est pas mal hein parce qu'on a du poids réduit Et du dégât plus 10% en visant Mais le réduit de le poids de 90% c'est recherché laser -gatling, Le problème c'est que c'est pas assez joué non, c'est pas assez joué, c'est vrai. Par contre, les ouais, ultra suite quand même, j'en vois de temps en mais temps. Mais tu balances ça sur Fallout 4, un nouveau joueur, franchement, il est au paradis. Oh énormément. putain, mec, la prédiction de Jack, elle a failli passer, mais crème. Oh, mais ça, ça me fout sur le cul, quoi. Oh, mais c'était presque <laughs> ça. C'était presque ça. Arme à distance légendaire, deux étoiles. Arme de fortune, pistolet, mec. Jack, t'as un bon. Jack en fait il fait les prédictions, mais c'est l'arme d'après. <laughs> c'est pas celle qui vient tout de suite, c'est celle d'après. <laughs> Moi j'annonce une <laughs> okay. calibre 50. Moi j'annonce que les calibres ah, 50. Mais du corps à corps. Oh du merde! Corps à corps. Oh putain, je me suis gouré. Et en plus c'est de la merde. J'aurais pu me gourer et ça aurait pu être un truc bien, mais c'est de la merde. C'est un gourdin de chipsquatch. 40% de dégâts <laughs> d'attaque puissante supplémentaire. C'est de la merde. On oublie ça. C'est une bavure. C'est une bavure. Allez, c'est parti. Arme à distance légendaire. Donc, on a du fusil d'assaut provocation, du fatman, du lance-grenade, l'arme à verrou, du pompe de combat. Ça du risque d'être compliqué. Auto. Du fait du fatman, du revolver. Moi, calibre 50. On a du lance-roquette aussi pour Jack. Et on a du lance-grenade auto. Chait. mais ouais, mais là, mais non, mais ça me casse les couilles. Franchement, euh, ça me saoule de me gaspiller de la, de la mitraille, mais bon, là, on en a largement assez. Donc, arme à distance légendaire 3 étoiles. J'annonce une calibre 50 ou un fait main. Oh putain! Mais pourquoi? Personne l'avait annoncé à part avant. Avant, les gens l'avaient annoncé. C'est ce putain de fusil à poudre à canon de merde. Et il est spécialisé SVAV en plus. Coup critique en plus. Donc, pour, les, pour, pour les bulles pistoleros, ça réellement, ça peut peut-être valoir quelque chose. Ça fait que c'est un fusil à poudre à canon spécialisé en coup critique. Avec euh, en mode SVAV, euh, les points soignent. Pistolet ou fusil Fusil à poudre à canon. Et vos ah. coups critiques en mode SVAV infligent plus 50% de dégâts supplémentaires. Ça peut faire de très très gros coups, de cri coups critiques. Hein, un fusil à poudre ah, à oui, canon. Plus le boost, ça peut être très très fort plus la fufu, ça peut être encore plus fort. Mais euh, voilà, quoi. Il en faut au moins une incroyable, putain, j'en peux plus, jouer. il me faut juste une arme, quoi. Juste une arme incroyable. Pour l'instant, on n'a que il de il la Il faut merde. une ultrastite enfin. Oh, une putain, une mais on n'a que les armes Antigoul. les plus pourries du jeu, mec. Une tête de la Zérotron. <laughs> okay. C'est bon. même pas une quadruple, elle est même pas bien. C'est une tête de la Et Zérotron ben... anti-ghoul. Et des gars de coups de crosse, des coups de crosse avec une tête de la trongue, mais qui fait ça Cette fois-ci, ce, cette arme à distance légendaire, c'est celle de la soirée, je le sais, je le sens, vous le sentez aussi. Vous le sentez aussi, le poulpe aussi, le sang, regardez-le, il le sent, il le sent, le sang. Avec un effet de sang, non, je... <laughs> c'est bon. Il le sent il le sent, je vous jure qu'il le sent. Il c'est obligé que ce soit une arme bien. On peut pas avoir une arme de merde corps, On a eu un putain de fusil à poudre à canon et une tête de laserotron. C'est pas possible que ce soit encore une arme pourrie quoi. Un arc. Non, si c'est un arc, je me suicide. Sans déconner. Si c'est un arc, je me suicide. Je me casse. Si c'est encore une arme de merde, je me casse. <laughs> sans déconner, je me casse. Donc arme à distance légendaire, 100 points de mitraille. C'est parti. Oh putain. Je fais un crini au poulpe. On peut pas se rembourser ces armes. Non on peut pas. C'est la dernière sur ce perso. Après on passe sur Biden et j'en ai encore euh, 9 Donc oh, on, on a encore nos chances. Mais par pitié, donnez-moi un, donnez un truc quoi. Donnez-moi un truc. Fusil d'assaut, ah bah tu moi, peux pas avoir les subs Moi j'attends la gatling... Euh... <laughs> moi j'attends la gatling anti-ghoul cool, moi. C'est tellement ça en fait, soit t'as les subs, soit t'as les armes en fait. Du coup j'ai eu les subs ce soir. En fait si t'avais quelconque arme anti-ghoul, je balancerais au moins la moitié quoi. Je vais fermer les là, yeux. Je vais un... appuyer sur OK. Je vais <laughs> fermer les yeux. Ça va être un truc incroyable. <laughs> je suis sûr que c'est incroyable. Oh putain oh, dommage quoi, Oh mec dommage C'est une mitraillette C'est une mitraillette What agilité plus 1 cadence de tir à cru mais c'est une assistance quoi plus 32 dégâts sur les robots oh. ça commence à s'améliorer Est-ce que c'est bon signe Non Ça aurait pu tu être bien. Pas vendre tout ça pour faire un... Je reprends une arme à distance légendaire mais deux étoiles cette fois-ci Pistolet à plasma quadruple cadence de tir accrue ça se trouve, c'est la meilleure qu'on ait eue ce soir. Laser Gatling. Moi, ouais, j'attends la Gatling Ultra Seed, toujours. Laser Ultra Seed. Elle va peut-être arriver. J'en ai déjà eu plusieurs en pourvoyeuse. C'est parti. Arme à distance légendaire 3 étoiles. Par pitié, donnez-moi quelque chose de bien. Oh non, putain De merde Infaitement. En des armes ouf hein, jusqu'à présent. J'ai un fait main, mais c'est un anti-mutant. Plus 10% en 10 wow, Mais c'est le meilleur effet, 33% de plus contre les super mutants. Mais c'est de la merde. Mais <laughs> tout le monde va te prendre ça à Putain, j'ai eu un de ces faux espoirs. J'ai eu un de ces faux espoirs que ce soit bien. Mass transfert, le dab. Et voilà, je dab en plus sur une défaite, qu'est-ce que tu veux C'est pitoyable quoi. On a un fait main, on, on a les armes, mais on n'a pas les percs dessus. Allez, j'annonce, j'annonce, le calibre 50. Par pitié, par pitié. Oh Oh Il n'y avait pas quelqu'un qui avait dit lance-grenade automatique track Moi. Toi, t'avais dit lance-grenade automatique, mais quelqu'un, il avait dit, je pense, lance-grenade automatique track. Mais vraiment pile ça, quoi. Mais on n'a pas les perques Du coup, on a lance-grenade auto track. Dégâts plus 10 en visant. j'arrête pas de l'avoir celui-là, je sais pas pourquoi. Et augmente la vitesse des déplacements en visant. C'est de la merde. C'est de la merde. Oh putain. Oh là 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 Qu'est-ce que c'est pourri, les gars. Oh mais là, c'est pas possible. Allez, c'est parti. Oh mais putain, mais je te jure. Fusil à clous quadruple. C'est recherché, c'est ça le pire. Fusil à clous quadruple. Plus 33% de chance de toucher la cible en mode SVAV. Et poids réduit. Si c'était un fusil à clous quadruple avec une meilleure secondaire, ça aurait pu être très très bien. C'est pas si mauvais. C'est un des mmh. moins pires qu'on ait eu en vrai. Oh, mais là, non, c'est pas possible. Il me faut vraiment un truc bien. Laser Gatling à Ultracite! Perce blindage! Oui! Elle est là, mec! Jack! Ouais. Laser Gatling et Ultracite Perce Blindage! Enfin! Ah, mais on s'en fout, c'est largement mieux! Perce Blindage, gars! C'est quand même beaucoup mieux! On a quelque chose qui vaut quelque chose! Oh! C'est c'est pas mal! Laser Gatling et Ultracite Perce Blindage, donc ignore 50% de l'armure de la cible. coût critique en mode SVAV, plus 50% de dégâts supplémentaires. Et vitesse de déplacement? En visant qui augmente. C'est de la merde, les secondaires. Mais déjà, laser gatling, ultra site, perce blindage. Sans déconner, c'est pas mal. On y croit. C'est parti. Laser gatling. Mais putain, je vais choper que des laser gatling. Laser gatling, infirmier. Ça, c'est vraiment de la merde. Dégâts plus 10% en visant. Agilité plus 1. Pareil, mitraille. On continue. C'est parti, bim. Un autre criolator. Non, bah je pense que c'est bon, c'est fini. C'est fini. Ce tirage, il est maudit. Ce tirage, il est maudit. On a que de la merde, franchement. On n'a vraiment pas eu grand chose. Le laser gatling ultra-cite perse-bindage, c'est la seule chose intéressante, un minimum. Créolator, mutant, dégâts accrus sur les mutants. Puis 10% en visant. Vitesse de rechargement, ça aurait pu être intéressant. Mais bon, voilà. La principale est pourrie. Ce qui fait qu'il n'est pas intéressant. C'est navrant, surtout avec toute la mitraille que t'as utilisée. Ouais, j'ai utilisé au total environ 2400 points de mitraille. 2400 points de mitraille pour principalement de la merde. Vra vraiment, quoi. Vraiment, je sais. Je suis aussi navré que toi. La fois passée, on en a fait que 8, je pense. Et on a eu 3, et 3 armes de malade, quoi. Oh putain. Oh, oh c'est de la merde On a encore du nocturne Je pense que le nocturne c'est le truc que j'ai le plus looté ce soir Laser à ultracite Pistolet nocturne Cadence de tir accrue et agilité plus 1 C'était intéressant mais On a toujours cette principale là qui nous fait défaut On va même pas attendre voilà, merci, bonsoir. 10 mm, pistolet, track. Cadence de tir accru de 25%, résistance aux dégâts plus 250. On a des secondaires qui parfois sont excellentes et on a toujours une principale qui est de la merde. Ou l'inverse, une principale qui est bien et des secondaires pourris. C'est dommage. C'est dommage. C'est fini. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Je suis dénué de. Je ne sais plus. Je ne sais plus qui je suis, où je vais. C'est terminé. On a fait je ne sais pas combien d'armes. Et franchement, je pense qu'il y a deux petits trucs qui sortent un petit peu du lot. Mais principalement, c'est de la grosse daube. Oh, mais sans déconner, ça m'a séché ce tirage. C'est fou quoi. Je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu. Autant de points de mitraille pour tellement de merde. Si tu le fais qu'avec un perso, et que du coup tu fais 800-900 points par semaine, ça peut être ça aussi quoi. Mais là on s'est tout fait d'affilée, et franchement, ça m'a détruit. Ça m'a détruit, mais d'une violence. Oh, oh je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pourri quoi. Un très bon plastron que j'ai chopé, voilà sur un monstre ce matin. Ça reste mon meilleur loot de la journée. Après un tirage de 25 armes à la pourvoyeuse. Franchement, ça reste ma consolation de la journée, c'est ça quoi. C'est ce plastron.